DEPS aide son candidat, le président de la République, à gérer ce pays aujourd'hui et demain? C'est une très bonne question, cher Andy Kalala. L'UDPS est toujours organisée de la base au sommet. Vous avez des structures organiques, comme je vous ai dit, la cellule, la section, la fédération. Ça sont des entités de base. Ces entités réfléchissent, ils transmettent leurs réflexions aux organes centraux qui sont donc en principe la présidence, comprenant le comité national, le comité, le secrétariat national, ajouter les différents mouvements connexes, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, les cercles de réflexion tels que nous le sommes là. Donc chacun apporte sa brique à l'édifice. C'est que nos idées, nos réflexions montent, sont canalisées, ils montent vers le secrétaire général. Et nous supposons, ils arrivent chez le président de la République, puisque c'est ça, comme le fondateur disait toujours, l'IDPS, c'est d'abord la base, et la base fait monter ses idées jusqu'au sommet. Et nous travaillons toujours de cette façon-là. Nous ne sommes jamais allés en marge ou vouloir court-circuiter qui que ce soit. Non. Le secrétaire général Kabouya, chaque fois qu'il nous reçoit, nous sommes à l'aise, il est à l'aise avec nous. Nous le respectons, même quand Kabound était là. Nous le respectons toujours. C'est une autorité établie. Ici, nous sommes des militants. Nous sommes des militants du parti sous la gestion d'un secrétaire général. C'est ce que chacun doit comprendre. Si on se rebelle aujourd'hui contre le parti, comment on peut se poser une autre question, cher Andy? Comment on vit aussi avec ses propres enfants et sa propre femme? Si tout le temps on s'attaque, on passe à la télévision, on commence à insulter qui, X ou Y. Non, ça ne frise pas la bonne éducation. Mais dans un parti politique, les gens doivent être disciplinés. Disciplinés. Si on a choisi Kabouya comme secrétaire général et tout le monde fait confiance à Félix, c'est-à-dire on devrait aussi faire confiance à Kabouya. Si jamais il y avait problème, peut-être un mécontentement, mais il y a quand même une voie qui est tracée pour pouvoir se plaindre. Comme on dit toujours, les linges sales se lavent en famille. Si ça ne va pas, il y a même une commission de discipline. Alors, moi, je crois que de par ma formation d'enseignant d'abord, moi, je suis pédagogue de formation et littéraire par mes recherches doctorales. J'ai touché à beaucoup de choses aujourd'hui, tantôt à la santé, tantôt à l'environnement, mais mes multi-formations me montrent que on doit respecter la hiérarchie. Si vous ne respectez pas la hiérarchie, demain, si on ne vous respecte pas, vous allez dire quoi? Professeur, vous êtes coordonnateur du cercle des professeurs docteurs de l'UDPS. Quel est votre rôle normalement au sein de l'UDPS et quel rôle jouez-vous auprès du président de la République? Au sein de l'UDPS, d'abord en tant que Benjamin Kalenda, je suis militant. À la base, si je vous disais peut-être par le passé, je vous ai dit, je suis le cofondateur de la cellule UDPS Cité Verte. Mes autres amis fondateurs sont Dieudonné Kangolongo. Honoré Dieudonné Kangolongo est produit de l'UPN en anglais. Honoré Moulumba a fait l'Académie des Beaux-Arts. Moi-même, produit de l'UPN et Madame Kabangu Galula. Et nous étions quatre, mais après, l'UDPS Cité Verte a grandi. Alors, quand j'ai quitté la Cité Verte pour m'installer à l'UPN Homme, j'ai continué ma lutte en encadrant les étudiants. J'étais président de la jeunesse de l'UDPS. Et puis, après, à la fin de mes études, je me suis installé dans le quartier UPN, vers Marine, au-dessus là-bas. Et j'ai œuvré au sein de la cellule Ngomba Kinkusa. Là, j'ai joué plusieurs rôles.
J'étais secrétaire cellulaire chargé des élections, secrétaire cellulaire chargé de l'organisation, et par le fait, je suis monté au niveau de la section comme membre de l'assemblée sectionnaire et de la section. J'étais de l'assemblée, j'étais coopté comme secrétaire sectionnaire, et lorsque en 2004-5, le président Étienne a demandé à la suite de sa circulaire 050 de supprimer tous les dédoublements. J'ai joué un rôle très crucial et au risque de ma vie pour lutter à ce que toutes les entités de la section de Lombise qui étaient en dédoublement puissent se réunir et constituer une entité unique. J'ai réconcilié Ngombe Kinkusa, j'ai réconcilié Dielombiza, la cellule, la même chose, et nous avons joué le même rôle aussi à la Fédération de la Lukunga, parce que j'étais aussi membre de l'Assemblée fédérale de la Lukunga. Par-delà, ça c'est au niveau des entités de base, puisque là je vous parle de moi. J'étais le coordonnateur du bureau d'études du feu Albert Kapepa Dunia, secrétaire national à la défense et sécurité du parti. Ici, à Kinshasa, tout comme au Canada, j'ai continué à jouer le même rôle. Et puis, j'étais coopté, notre cellule Cité Verte, nous étions cooptés, quelques jeunes, pour pouvoir travailler, suivre les déroulements de la conférence nationale souveraine, en faire la synthèse journalière, transmettre au cercle de réflexion les rapides. Nous étions comme rapides juniors. Donc ça, c'est le rôle qu'on a joué au sein de l'UDPS, donc dans le cadre de la lutte pour le Pour le parti. changement. Que dire du 16 février? Nous avons drainé le monde de la Cité Verte, Cité Pombo, Cité Dumèze, Mama Mobutu, en montant, en bravant même la garde civile et la DSP. Aujourd'hui, professeur, quelle est votre contribution à la réussite du pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi du parti, l'UDAPES? Oui, nous travaillons avec les deux instances. Nos réflexions, quand nous les donnons, par exemple, nous sortons nos réflexions, nous les déposons au parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya pourrait témoigner de ça. Chaque fois qu'il nous reçoit, nous lui faisons part de ce que nous faisons, nous lui donnons nos idées. Il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, il m'a reçu et nous avons échangé avec lui sur l'avenir de l'UDPS et il a donné ses grandes orientations. Nous sommes en train d'y travailler aussi au sein de notre cercle. Et nos autres réflexions, ou les mêmes, nous les déposons aussi à ceux qui peuvent aussi les faire parvenir au président. Il sait lui-même, le président, que le cercle existe. Et c'est un bonheur pour moi lorsqu'il a reçu la diaspora congolaise au lendemain de la création du cercle en 2021. Il a dit, ah, je vous ai suivi et je voudrais que vous ne mouriez pas. Continuez, ne vous arrêtez pas à ce niveau-là. Donc, nous avons ces encouragements. Il y a une synergie entre le cercle et le président de la République, entre le cercle et les instances dirigeantes de l'UDPS. On a l'impression à un certain moment que le président est seul, il se bat seul, il n'a pas l'appui ni de son parti, ni de ceux qui l'entourent, comme il faut. Et 2028, c'est dans 5 ans, 4 ans. Est-ce que l'UDPS a déjà préparé un dauphin? Est-ce qu'on peut voir un dauphin dans l'UDPS aujourd'hui après le second mandat du président de la République? Pourquoi parlez-vous de la fin du mandat du président Félix ou de, s'il faut dire entre guillemets, de l'UDPS? Nous, nous n'avons pas combattu, cher Andy, 40 ans pour nous arrêter aux deux mandats. Loin de là. Et là, j'appuie ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit il y a 2 semaines au cours d'une causerie morale à l'IMT. Il a dit, nous ne pouvons pas faire cela. L'ANC en Afrique du Sud a combattu pendant longtemps l'apartheid et depuis 1994 jusqu'à ce jour, c'est l'ANC qui est au pouvoir.
Il a donné l'exemple du Zimbabwe, ZANU-PF, je crois, de Mugabe, qui continue au pouvoir ici en Tanzanie depuis Julius Nyerere en 62 et beaucoup de partis politiques comme ça là. Alors, tant que nous n'avons pas encore mis totalement ou à 90% en place notre projet de société, puisque nous voulons le bien-être du Congolais, alors nous n'allons pas croiser les bras pour dire ces deux mandats. Non, nous devons nous battre. Donc, à ce moment-là, dire nous battre. Il faut que le parti se resserre le coude. Ceux qui crient à côté, qu'on sort, tous ceux qui veulent voir l'UDPS continuer, doivent venir faire corps avec l'UDPS. Je parle bien des membres de l'UDPS, éventuellement ceux de bonne volonté qui aiment bien le peuple congolais. Parce qu'il y en a qui viennent comme à l'Union sacrée, là, non pas pour le peuple, mais pour leurs intérêts. On les a vus, on les a vus. Et J'ouvre une voilà, parenthèse là. et sous d'autres cieux, on a vu que les dauphins se démarquent dès le début du second mandat de celui qui est au pouvoir. Est-ce que l'UDPS a aujourd'hui quelqu'un qui s'est démarqué et que l'on peut présenter à la population? Laissons le temps au temps. Je ne dis pas qu'on va voir le dauphin à la fin du mandat. Ouais. Comme on a vu un dauphin présenté au lendemain des élections, ce n'est pas ça. Mais nous, à l'UDPS, ou nous, le cercle, il y a exactement une semaine, nous sortions d'une réunion où nous avons réfléchi sur ce genre de questions. Nous pensions déjà au 2028. 8, ouais. 2028. Nous sommes sortis de cette réunion avec quelques grandes lignes. Comment l'UDPS peut-il gagner les élections à la base? Nous avons nos stratégies que nous sommes en train d'appliquer. Moi-même, j'ai déjà fait les tests de terrain et voir et j'ai vu que ça doit réussir. Ça, c'est un. Deux, quel sera le profil du combattant de l'UDPS de 2028? C'est-à-dire, quand nous pensons de ce profil-là, c'est-à-dire, on doit le travailler aujourd'hui. Quel sera le profil du cadre de l'UDPS, cadre dirigeant de l'UDPS d'ici 2028? Quel sera le profil du membre de l'UDPS, des membres de l'UDPS dans des institutions? C'est-à-dire, tout doit être chamboulé. Donc, chacun doit comprendre que nous sommes au pouvoir et nous devons exercer le pouvoir. Je donne un exemple, cher Andy. Nous vivons tous à l'étranger, même si je suis ici aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose de très simple. Un ministre en devenir, on le prépare au sein du parti politique. En d'autres termes, je vais dire quoi? Le parti politique, c'est un pays en miniature et c'est un endroit par excellence où l'on apprend l'exercice du pouvoir. À tout niveau, on apprend à devenir président de la République, on apprend à devenir premier ministre, on apprend à devenir ministre ou vice-ministre, on apprend à devenir député, on apprend à devenir PDG, PCA, chef de même administrateur du territoire. C'est au sein d'un parti politique. Voilà pourquoi il y a un organigramme, une structuration au sein d'un parti politique. Et nous, le cercle de professeurs, nous nous sommes donné ce pouvoir-là de travailler en synergie, et le secrétaire général Kabouya le sait et il est d'accord avec nous pour que nous donnions ce que nous avons. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé du parti de masse, c'est vrai. Mais la masse, elle est intellectuelle, elle est non intellectuelle. Mais il faut restructurer cette masse-là.